Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour m'avec une émission parlant qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. Eh bien, je dis en là, on a continué avec même séance d'information, yo. On a continué à analyser faire, yo, pour être connecté à tout détail qui a passé en dedans pays. Pas caché, dis-nous, négio pété coquin. Ah oui, négio vous et oui. Bon couscouri qu'a fait là, parce que nous connaissons communauté internationale, là, dans le moment où on a parlé à la États-Unis, Canada, mené 8 à 0 sous PHTK, gagné deux conseillers spéciaux et ancien président Michel Joseph Martelly, il m'a parlé de Yuri La Tortue avec Joseph Lambert, qui ont même eu ambassade aux États-Unis, eu ambassade aux Canada. Nous gagné et Gary Baudot, nous gagné Hervé Foucan, nous gagné Ronnie Célestin, qui est ambassade aux Canada. Nous gagné et ancien président Michel Joseph Martelly avec deux anciens premiers ministres, Laurent Lamotte avec Jean-Henri Séan même, qui en bas sanction pays Canada. Dans le jour où pour venir là, Nations Unies, lui-même l'a gagné pour sortir l'ISPAL, l'ISSANCTIONNER PAL. M'a parlé de pays différemment, tant que États-Unis, Canada qui prend sanction la caillou. Non, m'a parlé de institution, même Nations Unies, qui a mis tête ensemble là, qui a collecté information pour yon ka sanctionner yon catégorie moun, tout plimay en dedans pays, qui gen relation à gang, qui gen relation à bandi, qui a financé violence criminelle dans pays. Eh bien, par rapport avec situation ça, qui ça pays d'Haïti ka fait? Qui ça l'État haïtien ka fait pour arriver récupérer dossier ça yo? Puisque, États-Unis, Canada, la France, République Dominicaine a préparé l'ISPAYO pour yo sanctionner, pour yo geler bien négio, pour yo saisir bien yo gagner l'autre bord de l'eau. Par rapport avec situation ça, nous connaissons nèg sa yo, moun sa yo sanctionné là, yo impliqué dans corruption en Haïti, yo impliqué dans détournement de fonds en Haïti. Donc bien ça yo fait l'autre bord de l'eau, c'est avec l'argent payant. C'est pas vrai, c'est avec l'argent taxe, l'argent est pour nous. Donc le plus rapidement possible, faut que t'aies une procédure qui mette en place là pour l'État haïtien, pour le gouvernement qui là, pour le tamande Canada, pour le tamande États-Unis, le saisir bien nèg sa yo. Pressé, pressé, font vente aux enchères avec eux pour l'État haïtien te ka récupérer l'argent. Mais qu'on y a par rapport avec situation, ça, gagné plusieurs réactions, gagné moun qui réagit, gagné moun qui dou, et ces persécutions politiques. Même nèg sa, ouais, même 8 nèg sa yo sanctionné là, yo fait comprendre que décision, sanction sa yo, que États-Unis, que Canada prend contre yo là, c'est des sanctions politiques. Yo avancé et thème sanction politique là sous qui base puisque yo fait connait yo pas favorable pour une intervention militaire en Haïti, c'est pour ça États-Unis a mané yo, c'est pour ça Canada a mané yo, etc. Mais du point de vue juridique, d'un point de vue légal, là on regarde sanction ça yo, c'est pas un tribunal qui prononce yo effectivement. C'est pays qui prend sanction par rapport avec résolution 2653 qui était votée dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Canada lui-même, qui avantage Canada gagne, c'est que Canada a intégré résolution dans le corpus juridique. Il a intégré dans la loi canadienne. Et sous base ça, même le, il arrive devant le tribunal, il a qu'à toujours gagner une cause sous monsieur Sayo parce que il dit un ensemble de preuves, un ensemble de formations, il recueille sous yo. Donc c'est à partir de preuves Sayo, c'est à partir d'éléments de formation yo collecté sous yo qui fait yo qu'à sanctionner yo. On y a nous en Haïti là gagner yon plaidoyer que nèg yo a fait dans média. Yo dans toutes média. De bouton des sanctions prend contre yo là, yo dans presse traditionnelle là, gen article de journal k'ap écrit sou yo, ou tande tout nèg dou, c'est pas yo. Tout nèg dou yo innocent, tout nèg dou yo pas konnen ça k'ap passé, c'est pas jam yo. Nèg lan li impliqué dans trafic de drogue, li dou c'est pas li. Nèg lan impliqué dans trafic d'armes, li dou c'est pas li. Moun ap mouri sous conscience li, li dou c'est pas li. Moun ap quitté la caillou, yo pas arrêté la caillou dans cité soleil. Yo pas arrêté la caillou dans quoi des bouquets. Yo pas arrêté la caillou la saline. Yo pas arrêté la caillou Badelma Matisse c'est pired. Yo dit c'est pas yo. Mais à ce moment, bon question pour poser tout. Si tout nèg zan yo qui n'ont pas de responsabilité, nèg la président de la République garant des bonnes marches de l'institution de l'État. Nèg la premier ministre, c'est lui-même qui a mené politique exécutif là. Nèg la ministre justice, c'est lui-même qui a mené politique judiciaire exécutif là. Nèg la ministre de l'Intérieur, li nan tête ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui a mené politique territoriale là. Toute action criminelle qu'a fait dans le pays qui implique yo, yo dans des postes de responsabilité, yo pas ka bay résultat, c'est pas jambe yo.
Massacre fait dans le pays, c'est pas yo. Moun ap mouri dans le pays, c'est pas yo. Gang ap terrorise population, c'est pas yo. Zam commande pour la police, la jeune bandit, c'est pas yo, c'est pas yo, c'est pas yo. Si c'est pas moun sa yo qui n'ont poste de responsabilité, qui t'a supposé assumer responsabilité yo, yo toujours dou, c'est pas jamais yo, mien c'est qui est. Si c'est pas yo, c'est moi-même. C'est moi-même, pauvre de moi. Si c'est pas Ariel, je dis, qui n'ont poste de responsabilité, qui pour porter solution à problème et sécurité dans le pays, c'est qui est? C'est responsabilité pas? C'est responsabilité pas? Ou bien c'est Nexayo qui n'a pouvoir? Ou bien c'est Nexayo qui a petite autorité, qui a pouvoir de décision de dans le pays, qui doit assumer responsabilité? Bon, l'autre aspect pour nous comprendre. Dans tout bagay, qui gen gang, qui gen criminalité là-dedans, qui gen zak bandi là-dedans, gen non kek autorité en dedans pays ya, ou ap toujou tande yo cité là-dedans yo. Avant même lumière gen ta fait sous dossier, ou gen ta tande yo dou c'est tel. Pour qui ça depuis ces zak criminel, c'est insécurité, c'est violence, c'est gang. C'est nèg kap bataille pour pouvoir toujou tande seul catégorie moun. Pour qu'ils soient pas attendés, c'est Janine. Pour qu'ils soient pas attendés, c'est tel. Pour qu'ils soient pas attendés, c'est tel. C'est toujours eux-mêmes. Donc, je dis en là, depuis ces bagages qui ont toujours une prémisse qui dit, c'est Matelis, c'est Lamotte, c'est Seyan, c'est Bodo, c'est l'autre, c'est Yuri, c'est Lambert. C'est eux-mêmes. Pour qui ça, c'est toujours eux-mêmes. L'autre des chefs gang dans Vinyl dit comme ça, t'as pas gagné l'élection que fait pour voir PHTK pour te Galil Badi. Pour voir PHTK distribuer Galil. Est-ce que automatiquement obligé pour elle pour parole l'évangile? Non. Pas d'où pour elle pour parole l'évangile. Mais, ou pas qu'à retirer possibilité pour y'en faire vrai, parce que dans la situation, li pas d'où c'est tel qui fait, li pas d'où c'est citoyen paisible qui fait, li pas d'où c'est malheureux qui fait, li pas d'où c'est petit pied qui fait, li pas d'où c'est petit gens qui fait, li d'où c'est nèg sa yo qui n'a pouvoir, c'est nèg sa yo qui gen pouvoir. Effectivement, l'op garde réalité, c'est nèg sa yo qui gen machine officielle. C'est nèg sa yo qui gen pouvoir qui ka commande des armes, c'est nèg sa yo qui ka di a achete des armes pour la police et puis la jeune bandi. Ça fait déjà en Haïti automatiquement yo gen tan meto son pi, c'est sa vérité. On y a par rapport avec sanction sa yo que États-Unis, par rapport avec sanction sa yo que Canada prend la contre nèg sa yo. Décision sa yo qui sa yo fait. Décision li vin créer, li vin ou mettre en Haïti on brèche, ouvre on brèche en Haïti côté que l'État haïtien, si yon te vle, yon ta pral mande Canada en entrée judiciaire, yon ta pral mande États-Unis en entrée judiciaire, yon ta pral coopérer. Bon, étant donné que dossier, c'est par rapport avec information nous collecter, données nous collecter, qui fait nous gagner ensemble d'éléments de preuve, qui dit que Nexa, qui dit que Garibodo impliqué dans financer gang, qui dit que Yuri la tortue dans trafic de drogue, dans financer violence criminelle, qui dit Lambert dans financer violence criminelle, qui dit Martelly dans financer violence criminelle, qui dit Lamotte, qui dit qui dit Roni Celestin, qui dit Henri Foucan, non financé violence criminelle, gen relation à gang en dedans pays. Donc, automatiquement, c'est après la responsabilité, commissaire du gouvernement, c'est après la responsabilité, parquet pour presse, c'est après la responsabilité, n'importe l'autre parquet dans la juridiction que nèg a été, dans la juridiction que nèg a exercé et autorité en tant que sénateur de la République, pour enquêter sur nèg a, pour monter dossier, pour faire action contre eux-mêmes, de manière à ce que moun ki victime sous conscience nèg a, moun ki victime du fait que nèg a pote zam bay bandi, pour moun sa yo ka réparer, pour moun sa yo ka joindre justice par rapport avec criminel sa yo, par rapport avec gang sa yo. Mais pour n'y avoir l'autre problème. C'est problème sur problème. Puisque la justice, justice paye nous démantibiler. Justice paye nous depuis le cassé pour être cassé, j'ai le pété, le pas rien, le pas attendre rien. Sauf pour Nexayo qui gagne impunité. Sauf pour Nexayo qui a fait violence criminelle dans le pays, qui a financé gang. La justice, le pour la justice. Traiter dossier yo, les pour la justice pencher sur action yo, la justice ouais qui est-ce qui est et pas de sanction pour yo. Qu'on y a par rapport avec situation ça. Premier bagaille pour garder, on a parlé de justice en Haïti et ça y a une des raisons dans moment dossier Canada sa sanction et Canada États-Unis ou bien et Nations Unies pral gen pour le prendre en pile l'autre pays. Ap gen pou yo pran, gen pou yo sorti lis pa yo, nèg gen impliqué nan gang, nèg ka finance gang an dedans pays. Quand elle va poser problème, c'est là nous pral di, fok la justice haïtienne tranche sou dossier. Mais pas oublier que nèg sa yo ki au pouvoir là, nèg sa yo ki au timon des affaires, ou bien nèg sa yo ki gen non yo, ki nan lis sanctionné yo,
En pile nan yo mette moun nan pouvoir Ariel Henry. En pile nan yo fè juj jwen job. En pile nan yo fè commissaire du gouvernement jwen job. Koun yo pranse moun sa yo, yo pral en mesure pou yo sanctionner nèg sa yo. Et c'est là ça, et c'est là on pral comprendre lè yo di, c'est impunité qui règne en Haïti effectivement. Et puis gon l'autre aspect pour comprendre. On parle de justice en Haïti. Avant de parler de justice, faut garder infrastructure judiciaire, faut garder institution, yo, même ça qui représente la justice, kounya, qui koto koné par que Port-au-Prince. Depuis 10 juin, dans des nèg et village de Dieu, nèg izo rentré, yo prend paquet d'assaut, bisantne, koto kon paquet je dis hein. Sous besoin tribunal et sous besoin cabinet d'instruction. Ou besoin tribunal première instance, qui koto koné les je dis là. Hmm? D'ailleurs qui est sous connaît qui commissaire du gouvernement dans moment n'a parlé à là qui soit connaît de identité commissaire du gouvernement est-ce que c'est Jacques Lafontaine est-ce que c'est Ronald Richmond dans Okay ou pas connaît rien sauf que là n'a posé problématique là n'a regardé faire aux gens yoyé ou vite comprendre que c'est nèg sa qui censé gérer qui censé protéger institution yo c'est nèg sa qui censé veiller à bonne marche institution yo c'est yo même qui crée condition c'est yo même qui crée situation ça yo c'est yo même qui crée vide ça yo pour la justice craser pour impunité toujours régner donc ou vinn trouver dans situation dans moment hein? Cabinet d'instruction pas qu'à recevoir dossier. Pour qui ça pas qu'à recevoir dossier? Parce que le te greffier en chef là, que le te doit un tribunal là, yo pas de côté pour yo stocker dossier. Ti côté yo ba yo, ti kounou yo ba yo, yo pas qu'à même organiser yo pour yo travail là, aller voir pour yo ta gen côté pour yo ta gagner et pour yo ta gagner coffre fort pour yo mettre dossier pour dossier pas perdu pour dossier pas volé. Donc là où déjà ouais, la justice lui amputée de toute capacité pour le gérer ou bien de toute capacité ta gagner pour le faire suivi yo. L'autre bagaille, depuis l'année judiciaire là ouvert, combien de juges d'instruction qu'on est capable de travailler sinon que ça sur dossier Jovenel Moïse? Pas gagné. Donc automatiquement là, la justice en Haïti n'est pas fonctionnelle, automatiquement ouais, la justice pas opérationnelle. Donc en Haïti, on va poser des questions, tout démarche ça au Canada fait, tout démarche ça aux États-Unis a fait. Est-ce que au niveau de la justice haïtienne, est-ce que la porte résultat, est-ce que la porte fuit? Question, nous tout poser, nous tout demander tête nous, est-ce que bon justice dans pays? Est-ce que juge yo a fait travail? Est-ce que juge yo répond avec obligation yo gagne pour yo bail la justice pour rendre la justice avec les justiciables? Mais nous dit tête nous, li pas possible parce que oui c'est impunité qui gagne, oui nèg ki la c'est eux même qui créer condition pour impunité pour continuer pour galoper pour aller et dans situation ça, nèg sa yo pa jamais gagne exemple qui tracé sou yo d'autre tant nous pas réformer institution judiciaire dans pays. Kounya n'a regardé, n'a continué regarder, n'a continué et faire analyse, faire diagnostic situation juridique qui gagne là avec dossier sanction. Ça qui prend compte personnalité ça yo. Communauté internationale en 8, PHTK 0. Oui, PHTK 0 parce que dans moment là, on regarder c'est allié PHTK, c'est leader PHTK, c'est président PHTK, c'est ami PHTK, c'est eux même qui tombé en bas sanction ça yo. On y a par rapport avec dénonciation que Canada fait, par rapport avec dossier que Canada, États-Unis gagne contre Mounzayo, et sous-tendé sous lit, chaque décision, chaque motif yon mette, chaque coup yon sanctionne Nexayo, ou regardez bien, ou après yon dou ou que Canada dou précisément, yon sanctionne yon. Yo sanctionné yo sous qui base yo sanctionné yo parce que yo estimé que Nexayo yo gagné relation avec gang yo pas dit que yo gagne relation direct avec gang non donc là yo quitte en présomption pour yo quitte en présomption yo quitte moyen de défense pour nèg yo kounia seule façon pour nèg yo te ka défendre yo c'est si en Haïti te gagne et te gagne instance judiciaire yo te compétence si en Haïti te gagne la justice ou pas gagne justice qui soit wa yo fait yo tout doux c'est sanction politique c'est persécution politique yo tout allé dans média yo tout allé dans tribunal et médiatique yo tout doux yo innocent yo tout doux yo pas gagne rien pour yo ouais mais pour qui ça Canada pas sanctionné mou pour qui ça Canada ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly li pa levon bon matin li dit qu'on ça sanctionné Yannick dans trafic d'am Yannick dans trafic drogue Yannick a financé etc. Parce que c'est nèg sa yo, c'est yo même jodi an la qui face avec réalité, hein? C'est yo même qui gen dossier, c'est yo même que opinion publique l'indexé. Et par rapport avec situation ça mes amis, est-ce que tout le monde ka retire ko yo dise pa yo? Si tout le monde sa yo qui sanctionné yo dise pa yo, mais qui est-ce qui coupable? Qui est-ce qui coupable? Qui est-ce qui gen responsabilité dans violence criminelle là? Et m pral prendre des exemples concrets avant pral comprendre. Tant ou gen ancien premier ministre Laurent Lamotte. L'argent Petro-Caribé nan nèg yo.
nèg yo yo gen l'argent yo plein million nan men yo y a dépensé million li vin avec un dossier 25 stade Haïti pral gen 25 stade après ça attendez leur l'argent fin gagoter yo fin des questions paquet million pour yo faire des séries de pox sportif des séries de petits bagages yo fait en béton yo par ah bagay tout chargé net bagay tout chargé l'op garder bilan l'op garder rapport audit CSCC a fait l'op garder qui quantité million que Laurent Lamotte tout staff qui était impliqué dans question stade là dans te gagné Olivier Martelly qui était superviseur en bail comme ça yo même yo t'a gagoté l'argent yo t'a gaspillé l'argent Petro Caribéen et puis jodi an pour un exemple c'est eux même k'ap dou c'est pas stade yo t'était c'était pas sportif etc. C'est moun qui a comme si c'est moun k'ap chercher et troubler opinion publique là c'est monde qui parle ouais yo c'est monde qui fait persécution sur yo etc. qui fait ce stade mais lui même n'a peut-être il te connaît cette époque sportif etc. mais chaque bagaille yo gen signification yo chaque bagaille yo gen sens yo et chaque bagaille gon quantité l'argent qui disponible pour lui nèg sa yo yo gagoté consciemment oui l'argent Petro Caribéen yo volé l'argent yo volé yo gaspillé l'argent oui on l'argent te ka utile pour développement pays oui on l'argent te ka utile pour yo investir dans des domaines bien spécifiques qui te ka aider jodi an dans progrès économique pays oui qui te ka créer travail pour petits jeunes oui mais non yo pas créer travail mais seul travail qui possible pour en Haïti dans moment là c'est ba un fusil d'assaut c'est bon gros manche long c'est descendre la pote zamba ou c'est ça yo fait nèg yo enrichi yo ak l'argent Petro Caribéen et puis yo vin créer un couloir là y a fait trafic zam yo créer gang y a financer gang et puis tout nèg dou c'est pa yo tout moun dou c'est pa yo m'ka comprendre tant qu'on c'est président Michel Martelly lui-même li toujours a cléoné bien fort lui-même li pa gagner pour l'argent Petro Caribéen est-ce que président c'est ordonnateur public est-ce que président c'est comptable public non m'pa le raison président pas comptable président d'ailleurs constitution pa bay président droit à l'argent. Donc comment on va l'expliquer que le gagoté l'argent Petro Caribéen. L'homme dou lui-même, li gagne défense, li gagne moyen défense pour le dou. L'homme moun dit le côté comme Petro Caribéen, l'a dialement de l'autre moun. Il a raison pour le dire. Parce que lui-même en tant que président, li pa gen accès à dépenser l'argent mais il gen accès à blanchir l'argent, il gen accès à voler l'argent l'autre façon, il gen accès à faire surfacturation, bay zanmi au contrat, faire favoritisme, faire trafic d'influence et puis l'argent ça tourne vinn joignon après. Nèg yo pas égaré. Gon paquet nèg disant là qui dans pouvoir qui passe dans pouvoir PHTK pendant 10 dernières années ça yo c'est comme ça yo fait l'argent yo pas jamais si yo en contrat non mais yo fait favoritisme yo fait trafic d'influence yo créer conditions pour se ou bénéficier contrat pour se ou bénéficier marché public là et puis après ça on pral tourner l'argent ba yo ou pral tourner l'argent ba yo sou pas tourner l'argent ba yo ou perdre du contrat sou pas tourner l'argent ba yo ou pas jamais gagner contrat encore et puis tout y a toujours créer conditions pour mettre pied sous cou y a toujours créer conditions c'est dans ça pays en prend c'est dans complot ça Haïti prend et c'est une des raisons avec modèle dirigeant ça modèle autorité ça pays en pas saute l'arrivée là nous conscient que toutes sanctions ça yo que États-Unis que Canada prend contre nèg sa yo sanctions ça yo c'est pas au tribunal qui prononce yo mais étant donné c'est pas au tribunal qui prononce yo qu'on y a demandé est-ce que y a une force contraignante est-ce que y a une force contraignante mais si y a pas une force contraignante au Canada et c'est une des raisons l'entendre par exemple Ronnie Celestin do oh et li cabinet d'avocat pral pral attaquer Canada etc. Il a fait diffamation sur lui c'est mensonge etc. Laurent Lamotte même des preuves mais écoute dossier à banon tribunal c'est pays c'est gouvernement qui décide de sanctionner parce que ligon ensemble des formations ou n'y a leur ouvrir leur fait action justice contre nous légalement leur porter plainte contre nous légalement pour n'y a dossier à notre tribunal pour aller procès etc. Nous pas qu'on est dans dossier ça si leur et Nations Unies a décidé mettre l'ispal là dehors si au final le bral mandé pour un tribunal spécial qui monte pour juger vagabo ça parce que en Haïti là si n'a pas c'est Haïti pour juger nèg ça pas jamais juger si n'a pas c'est Haïti pour condamner nèg ça pas jamais condamner parce que la justice n'a pas chaud comme dossier a li pas dans tribunal ni dans Canada ni aux États-Unis donc nèg ça yo gen tout intérêt yo gen tout raison leur douce sanction politique parce que yo connaît pertinemment bien
Yo pou ko ka defann yo parce que dossier a pas devant un tribunal, seule façon yo pour yo laver image yo, c'est dans micro la presse, c'est dans média. Et kounye a, si c'est dans micro la presse, c'est dans média pour yo changer opinion publique là, pour yo rallier moun a cause yo, pour yo ka di pour yo chercher plus militants, plus partisans, plus sympathisants, pour yo ka di c'est persécution politique etc. C'est parce que y a défend intérêt Haïti, mais nous même nous là, nous gros travail n'a fait, nous gros travail de mémoire n'a fait, n'a pralé quantité zak malhonnête nèg sa yo fait, quantité magou yo qui en dedans pays quand c'est scandale corruption qui impliqué qui gen non impliqué là-dedans qui gen allié ou qui gen proche impliqué là-dedans pour nous montrer que moun sa yo pa ka bon moun pour nous montrer depuis qui le moun sa yo a créé stabilité en dedans pays a créé zak violence en dedans pays a financé action criminelle en dedans pays il est extrêmement important pour qu'on ait bagay sa yo ou y a un autre aspect c'est le fait que nous, ouais, Canada, États-Unis, et gagné ambassadeur français à Fabrice Moyes, qui même rive déclarer que la France interdit pour rentrer sous territoire, là, pas qu'être politicien haïtien, mais ni réserver droit pour le citer non exayo. Mais par rapport avec situation, ça, pendant que tout pays a pris sanction, pays a pris sanction contre les différentes personnalités, ça, yo, kounye ya, nous-mêmes, nous avons bagaille nos cafés. Nous toujours dit nous ka monter des associations monter des monter organisations faire comité etc. pour nous faire qui ça pour nous aller porter plainte contre nèg sa yo nous même qui victime kidnapping nous même qui victime assassinat nous même qui gen proche nous yo assassiné nous même qui gen proche nous yo violé nous même qui gen proche nous yo touyé nous même qui gen proche nous côté que bandi sa yo non seulement yo rentré la caille nous yo dépouillé nous yo volé tout bagay nous jodi an la n'a vive en battant n'a vive caille moun nous déplacer nous ka aller porter plainte contre yo. Nous cassez-y pour que votre prise saisie cabinet d'instruction contre Nexayo. Mettez la justice haïtienne face avec propre réalité. Parce que si c'est même justice haïtienne, si c'est même autorité judiciaire qui a protégé Nexayo, je dis à nous que tout est terrain nous pour nous marrer depuis la justice, pour nous montrer que nous-mêmes nous comprenons ce qu'a fait là. Et Nexayo pas de ressortir impuni. Nèg sa yo pa dwe gen possibilité pour yo marcher sous moun n'importe qui gens. Nèg sa yo pa dwe gen possibilité pour yo vivre à l'aise en Haïti pendant que yo créer situation misère, pendant que yo créer situation insécurité, pendant que c'est yo même qui crée violence, qui finance violence. Quel autre aspect? Et ça est extrêmement important parce que pour nous pas rentrer non ligne côté que pour nous t'avin ba nèg sa yo raison k'ap di c'est sanction politique. États-Unis que Canada prend contre eux-mêmes. Jusqu'à présent, nous ouais, gon seul clan politique que ont touché par rapport avec violence criminelle là, PHTK. Mais n'a conscient, c'est pas seulement PHTK, je dis en là, qui gagne doit être trempé dans violence en dedans pays. Ah oui, pendant PHTK, pendant 10 dernières années PHTK yo, violence s'est intensifiée. Gen plus gang, gen plus bataille pour territoire qu'a fait, mais c'est pas seulement PHTK. Jodi an la gen nèg dans société civile là. Jodi an la gen nèg dans organisation défense droit moun qui impliqué dans zak criminel, qui impliqué dans violence criminelle en dedans pays, qu'a financé gang, qui gen gang qui allié avec yo, qui gen gang y a bay job, qui gen gang y a bay job assassinat. Yo a bay job pour al bay moun pression faire menace sou moun, faire tentative d'assassinat sou moun. Ben effectivement, c'est pas seulement eux-mêmes. Donc je dis par rapport avec situation ça oui, nous conscients et nous d'accord. Faut qu'il y ait une épuration qui fait dans la classe politique là. Faut qu'on passe mais faut que tout déchet toxique ça yo, tout kank ça yo, faut que nous voyons de côté, faut que nous voyons dans un coin, mais n'empêche que je dis là oui, faut qu'on épuration qui fait, mais tout nous pas d'accord pour une situation de neutralisation qu'a fait tout dans la classe politique là pour son catégorie moun et puis l'autre moun yo même, y a protégé États-Unis, Canada chercher protéger pour qu'a voyer dans figi moun pour qu'a mettre au devant de la scène. N'a vraiment vigilant, n'a veatif par rapport avec situation ça. Kounye a, si c'est épuration qu'a fait tout moun joine. Pas de question, c'est seulement PHTK. Depuis ces nègres qui connaissent la terre, dans la politique, ils ont des relations avec les bandits, il faut que nous tout sortions. Les nègres qui sont dans le secteur privé, qui financent la politique dans le pays, qui financent la violence politique, la violence criminelle dans le pays, il faut que tout nous joigne. Donc, par rapport à la situation, nous-mêmes, nous prêts pour nous continuer à dénoncer, pour nous continuer à présenter qui quantité de dégâts ont créé dans la société, qui quantité de dégâts ont déclenché dans la population. Parce que Zamzayo,
yo pa donné, yo pa donné pomme de terre, yo pa donné banane, yo pa donné patate, yo pa donné orange. Zam sa yo, c'est de maintenant j'ai population, c'est moun yo touye, c'est moun yo assassiné avec lui. C'est plus tort, c'est plus peur yo créé dans mitan peuple là, dans mitan société là. Donc jodi an la, on est gdou qui dans trafic drogue, on est gdou qui dans trafic zam, on est gdou qui financer bandi. Nous déjà ouais qui qualité moun qui modèle criminel. Li a pu bon pour exemple qui c'est pas avec nous. Donc par exemple, et c'est une des raisons m'a tant de sanctions qui impliquaient secteur privé des affaires là. Par exemple, il y a un paquet de côté en dedans pays en là, dans bon prince, il y a 12 zones de non droit. Il y a 12 cité soleil zone de non droit. Il y a 12 et la saline zone de non droit. Il y a un paquet de côté qui zone de non droit. Mais il y a gros businessman nèg sa yo nou rele et oligarque corrompu yo. Il y a gros business dans zone de non droit yo. Chaque jour, business a fonctionné, matin, midi, soir, business a fonctionné, entreprise a travaillé, usine a travaillé. Ou n'y a, faut que nèg sa yo ka di ki formule yo appliquer pour neutraliser gang sa yo qui nan zone de non droit avec yo. Gang sa yo qui en dedans cité soleil, qui la saline, gang sa yo qui belle, gang sa yo qui nan tout côté nèg sa yo gen gros business yo. Faut que yo ta explique population, faut que yo ta explique peuple là. Qui stratégie yo appliqué ou utilisé pour neutraliser gang yo pour gang yo pas attaquer yo et c'est sous base ça oui pour Canada pour États-Unis comment c'est sanctionné yo tout parce que seule façon qu'à neutraliser gang nan c'est financer lui c'est reconnaître lui là comme autorité oui c'est payer pour protéger business oui parce que automatiquement nèg la zam illégal nan mel sou pas garantir que ou a payer sou pas garantir que a ba inquiéto ou là avec moi là avant et m'a géro sou pas garantir ou a gérer ou a bien gérer ou pense business a fonctionné ou pense ou ka descendre dans business ou y a piller y a craser y a bouler jodi an là depuis ces nèg qui gen business qui gros business oligarque yo fuck la justice haïtienne t'a questionné avant que les CPJ t'a questionné avant même que c'est Canada, c'est États-Unis, c'est les Nations Unies, c'est un paquet de pays qui a pris sanction contre eux-mêmes. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre. Je dis, en ça qui est dans le pays, en bataille ça qui déclenche en dedans pays, côté que États-Unis, Canada y a sanctionné les Zayo, moi-même, où est le risque qui te pèse sur tes journalistes? On ne peut pas qu'il y ait des paroles, des paroles, journalistes Haïti, pas dire, etc., et pas que journalistes en Haïti. Risante déjà 10 fois 10 fois sous tête journaliste qui en Haïti qui a fait travail d'information yo ou même qui a une information en Haïti sous nèg sa aujourd'hui ouais qui sanctionné a risante déjà 10 fois sous tête tout kounye a yo prend sanction contre yo même la justice en Haïti c'est pas trancher le bras trancher c'est pas sanctionner yo pas sanctionner nèg en Haïti vraiment c'est impunité qui a premier donc là tout nèg sa yo vient entrer en Haïti sanctionner yo pas qu'à voyager ou comment ça vient passer là. Risque qui était 10 fois sous tête, elle vient multiplier par 10 encore, risque ça vient peser 100 fois sous tête. Pour qui ça? Parce que ou exposé à nèg yo, yo dou nèg yo c'est notre trafic de drogue y a fait, c'est trafic d'armes y a fait, c'est bandi yo, eh bien, tout nèg là yo reconnaît yo c'est bandi. Yo reconnaît yo c'est bandi kou yo vin en face avec un groupe nèg, ou vin en face avec un groupe ennemi, ou vin en face avec un groupe criminel. Cette fois-ci, c'est pas ou même qui dit yo c'est bandi, c'est international qui dit yo c'est bandi. Comme la justice en Haïti pas jamais sanctionné yo, la justice en Haïti pas jamais fait quoi que ce soit contre yo même. C'est ou même qui dans média chaque jour cap ruminer, ruminer, cap retourner sous même fait, cap plonger l'ouest sous yo. Ça a été fait, ça a été dans trafic de drogue, ça a été dans assassinat, ça a été dans trafic d'âme, ça a fait d'âme, ça a fait trafic de fluence. Ou quand ça arrivait? Ou quoi ça arrive qu'on y a la vie exposée 100 fois plus. La vie femme exposée 100 fois plus. Donc faut que nous comprenions et faut que nous apprécions chaque travail d'information qui fait, chaque effort qui fait pour porter information. Parce que oui, oui, information, yo, bon, yo, ou doit qu'on est, ou doit qu'on s'en passe. Mais le journaliste en Haïti ou la font travail d'information, faut qu'on apprécie ça. Parce que c'est assez risqué péril. La vie menacée, la vie famille menacée. Donc, malgré ça, li gon travail la fait pour les formaux. Li gon travail la fait pour société, pour pays. Li rete attaché avec croyance. Li rete attaché avec travail. Donc, li pa gen prix sou li. Li pa gen prix sou li. Si on média pense que parce que le pays on journaliste, etc., son job la fait pour non. La font job pour payer, la font job pour société, et so paye l'an, li pa ka acheter la ville, so paye l'an, li pa ka protéger ville nan quoi que ce soit. Li pa ka éliminer risque, li pa ka éliminer danger qui pesait sous li. Donc c'est ça avant tout, nous devons comprendre, c'est ça avant tout, nous devons toujours songer.
Parce que nèg yo si c'est pour criminel, yo criminel. Nèg la pa peur pour distribuer galil dans quartier populaire yo. Petite malere malere a mouri, y a kidnappé, li pa peur, li pa mai. Petite li à l'abri. Petite li à l'étranger, madame ni à l'étranger d'ailleurs nèg za yo. Nèg za yo dans États-Unis, Canada Paris pour santé pour saisir bien yo. Si nèg la achète un kay peut-être sous non madame ni sous non petite li. Li pa acheter deux, li pa acheter 10, il pa faire 10 bus sous non. Moun sa yo utilise prêt. Non, ou pense même le yo ta saisi on kay de ka, ou pense nek sa yo ap jom milyon, ou pense ap jom pov, nek sa yo se multimillionnaire, yo yo sou do pepla, sou do pays, yo pap jom toune pov. Situation yo pap jom toune de, yo pap jom toune de, et nou wè sa a travers histoire pays nou. Président, ancien président, sénateur, député, nek ka fè corruption, nek ka touye petit peuple en de dan pays, la justice haïtienne pou ko jom condamne yo, yon fwa, pou ko jom sanctionne yon fwa. Et c'est exécutif là, le commissaire du gouvernement appareil justice qui là qui c'est avocat société qui c'est défenseur société a l'entendez yo menon trafic en drogue yo menon trafic en trafic en zame dans tribunal devant juge pour juger et pour ouais c'est commissaire du gouvernement ça cap dou pas y a ses preuves qui pral permettre à ce que juge en libéré vagabond yo mon cher ou a mandé tête tout est-ce que commissaire du gouvernement en Haïti yo kon travaille yo kon responsabilité yo gen appareil justice. Est-ce que exécutif là, est-ce que président paysan qui s'est garable dans marché institution, est-ce que le connaît responsabilité le gagne? Qui depuis 10 ans pays acheter cala, est-ce qu'on connaît qui quantité trafiquant drogue yo libéré? Pas même besoin parler de ce sont la famille, pas même besoin parler de toute l'autre yo que pouvoir PHTK t'a protégé, que pouvoir PHTK t'a préservé et m'pa konn ki ça y a préservé pour yo, y a préservé droit yo. Tant que nous-mêmes, qu'à victime, qu'à tomber, qu'à tout, qu'à assassiner, nous n'avons pas le droit pour nous vivre. Donc, situation est extrêmement compliquée. Par rapport avec situation, ça, c'est qui ça n'a pas choisi? Parce que nous vivons dans un pays là, nous vivons un moment qui est difficile, côté que la politique tient le doigt en état. Tout ça qu'a fait, c'est influence politique, c'est trafic d'influence. La justice, c'est politique. La police, c'est politique. Économie, c'est politique. Pour qui ça? Parce que un groupe oligarque qui a lié avec petit sous-sous, petit chien politique, qui ont même déstabilisé un pays, y a crasé un pays comme ça. Eh bien, jodi an la, il y a nécessité pour institutions judiciaires pour réformer, pour remettre campé. Est-ce que son nouvelle transition pour remettre campé institutions judiciaires? Parce que moi-même, oui, on me dit pessimiste, ou pessimiste, c'est ça. Si c'est pour Ariel, pas besoin de justice dans le pays. Yo. D'ailleurs, nous pas à PHTK côté que t'es un président élu, ou est institution judiciaire, ou pas réformé, ou est pas campé, ou est vin pi mal. Ou est vin pi mal. Donc, on pas besoin d'où pour Ariel Henry qui implique non assassinat, pour ta dire c'est lui-même qui pral réformer la justice, ben, la prenne tête li. La prenne tête li. Donc, je dis là, c'est nous-mêmes comme citoyens qui pour faire bataille là, pour pays. Mais oui, ça j'aime dire non, Ariel pas fin pour pays. Ariel pas j'aime gen volonté pour le fond bagaille pour la justice parce que Ariel peut-être pas li déjà ont inculpé. Bon, et moi dit l'inculpé, ils sont présumés suspects. Mais nous connaissons la vérité déjà. Tout le monde, opinion publique, tout le monde fixé sur Ariel, doit tout le monde longe sur Ariel dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Il n'y a pas inculpé, c'est vrai, parce que c'est autorité. Mais écoute, si vous avez une instruction qui est sérieux sur le Jovenel Moïse, quand il y a plus passé 40 personnes dans la prison, date ça, dossier ça, vous n'avez pas fini sur l'île, vous n'avez pas inculpé ça pour inculper, vous n'avez pas déféré ça pour déférer devant la justice. Puis al juge nous en tribunal criminel, pas d'abgeta fel, pour qui ça? Pour qui ça tout retard ça? Pour qui ça toute lenteur ça? Est-ce que nous comprenons la réalité qui est là? Donc par rapport avec situation ça, moi-même te attends moi que pressé, ok, au change ministre justice, qu'on y a gagné les prophètes qui n'ont tête ministère de la justice, et yo tellement fier pour yo dou ces premières femmes qui ministre de la justice, même là c'est pas intérim. Donc ouais, ça qui intéresse moun yo, c'est pas justice ça qui intéresse moun yo, non, mais c'est faire fou là, c'est ça qui intéresse yo. Qu'on y a? Ou gen ki tel yo sanctionné pour qui ça pour question kidnapping pour relation à gang pour trafic d'armes etc. Ou gen beto dossier ancien ministre justice sanctionné ou coupé visa pour qui ça pour trafic d'armes pour la financer gang et sécurité en dedans pays hein? Eh bien par rapport avec situation ça nèg yo pas au timon des affaires yo pas chef encore pour un pour deux c'est mettre action publique en mouvement contre nèg ça au maré yo fait infraction. Ça yon reproche yon a, pour ça yon sanctionne yon a, c'est des infractions yon a, fait trafic d'armes en Haïti, son crime. Fait
Fait trafic d'armes en Haïti son crime, fait kidnapping en Haïti son crime nié. Mais pour qui ça, commissaire du gouvernement, pas fait aucune action en justice contre eux? Pour qui ça, commissaire gouvernement, pas enquêté sur dossier ça? Pour qui ça, pas maré? Pour qui ça, vagabond ça, continue avec sirène, machine, avec machine officielle, yo c'est ouin ouin tout journée dans tête monde? Alors que yo gen policiers derrière qui cap sécuriser yo, mais population pas gen droit pour gen sécurité. Nous pas gen droit pour nous gen sécurité, mais nèg sa yo sanctionné, yo révoqué yo pour crime dedans pays, yo fait carré gen droit à sécurité, mais nous même cap payer taxe, cap payer pour nèg sa yo voler l'argent par la suite, nous même nous pas gen droit pour gen sécurité. Donc qui ça nous ka attendre de bon de gouvernement réel là? Qui ça nous ka attendre de bon de pouvoir réel là? Et même nèg sa yo pas oublier m'dou, nèg sa yo sanctionné Martelly, mais Martelly avec Ariel, c'est pas chose casé dans bouillon. C'est l'état de chocolat, yo. Comment on fait sanctionner Martelly, Ariel toujours premier ministre? Qui bagaille ça? Qui parole ça? Et c'est ça, toujours, abdi nous, c'est pas blanc, nous remet pousser blanc pour venir dire, nous pousser blanc pour exposer, nous remet laisser blanc sanctionner, nous pas bataille pour justice dans le pays, nous camper, non? Nous pas bataille pour une reddition de compte qui baille, non? Tout nègre remet pour yon sous pouvoir, tout nègre remet pour yon autorité. Ou pas, Martelly va dire, d'accord, va dire, parce que le blanc te truqué élection pour te mettre au président, qu'on n'a pas de président, d'ailleurs, ou inscrit dans fraude, yon bon élection dans fraude, yon met au président dans fraude, ou pas, j'en dire, au contraire, t'es content, je dis, si même blanc ça sanctionne ou qui te fait coup de barbe, ou pas, pour dire, c'est rete pour sanction, c'est rete sous sanction, ou pas, carré mes graines, non, pour pas, mes poids. Ou pas, carré mes graines, non, pour pas, mes poids. Donc, je dis, là, faut nous commencer à gagner caractère. Et automatiquement, blanc sa yo, même blanc sa yo, jodi an la, nap bat bravo le sanctionné ya, nous montre blanc sa yo, la justice nan pays, nous pas jamb bataille pour le camper, pour le gagner dans figil, nap ton se moun de yo qui pou faire pour nous. Nous pas prêts pour nous faire rien pour la caille, nous pas prêts pour nous faire rien pour tête nous. Nèg nan li chef li autorité, li pas assumer responsabilité, nous peut mande le compte. C'est comme si l'on mande le compte là, l'ap touye nous. Mais yon pas ka touye tout haïtien sa yo, yon pas ka touye nous tout. Et d'ailleurs, c'est parce que pas gagner sanction. Et parce que yon pas respecté la justice de le pays, yon pas une justice qui fait ses impunités, qui fait nègre li libre pour la tante à vous, li libre pour le tout yon, li libre pour le voye la kayou, fait kidnapper, fait assassiner, parce que wap informe population, wap ba information sous li, wap révèle population qui vagabond yon, qui modèle criminel yon, c'est parce que pas un pays. Si t'es un pays sérieux, parce que Ariel, depuis le non la cité n'a assassinat Jovenel Moïse, parce que t'as fait carré premier ministre, dans qui pays? Qui peuple? Qui citoyen qui t'a accepté Ariel, qui t'a accepté des rives yo? Haïti tout bagay sauf un pays, parce que un pays qui pas gen justice, un pays qui pas gen équité, un pays côté règle, principe pas ka respecter, li bon pays sont savants. N'a vive non savants, n'a vive non jungle, et c'est une des raisons pour gwap manger piti. Ou après gwap manger piti lion, yo dou lion, c'est lui même qui c'est lui même qui chef, c'est lui même qui roi forêt etc. Ou est là tout nèg sa yo qui sous pouvoir, yo tout nèg sa yo qui allié pouvoir, yo touye gens yo vle, yo sanctionne gens yo vle, yo me créer instabilité politique dans pays gens yo vle, yo finance gang gens yo vle, qui est capoter, qui est qui capoter plainte pour yo, qui koto pral porter plainte contre yo même. Yo achete la justice, yo achete la police, yo achete autorité, yo achete yo dans secteur privé, yo déstabiliser etc. Moi même franchement question un petit groupe vagabond, un petit poyen nèg toute plume mal ça qui kembe pays en otage. Moi je pour bagay ça fini. Parce que gen l'autre sujet qui extrêmement important qui varie nous ka vinn parler. Est-ce que chaque jour ka vinn parler de même vagabond promotion m'a fait pour yo? Promotion m'a fait pour yo? Est-ce que chaque jour ka vinn parler on Martelly Ariel sans arrêter? Est-ce que chaque jour Kavin parle de gang sans arrêter? Non! Travail a perdu essence li. Jodi an la gen l'autre préoccupation. Nous te ka bien parler de justice sociale. Nous te ka bien parler de équité. Nous te ka bien parler de valeur morale. Yo, mais ou pense gen moun kap tande yo? Ou pense haïtien prêt pour le temps de parler de justice sociale? Ou pense que c'est tout haïtien qui prêt pour le temps de parler de équité? Yo a dit tête madame Zacho. Oh, qui ça vient parler là? Ou pas même gen 10 moun kap gado? Donc je dis à la fois que nous commençons à écraser barrière ça. Yo gen l'autre bagay qui est plus important, gen l'autre sujet qui est plus important. Je dis à la, le nous parler de yo qui a augmenté valeur sur valeur. Nous mais c'est pas ça. Gen en pile moun c'est pas ça yo vle. Yo préférer rester là avec Ariel qui tel et ça yo petit vagabond ça yo qui a déstabilisé pays. Donc
C'est ensemble des formations que nous avons gagné pour nous partager aujourd'hui, pour nous débattre sur yo, pour nous garder ensemble qui ça qui a fait de plus, qui ça qui a fait de positif pour aider nous à avancer avec situation catastrophique dans vivre dans le pays. Mais dans l'émission de demain, un point qui est extrêmement important pour nous, puisque pays États-Unis lui-même, pendant nous, la mener politique et sanctions en Haïti, mais lui-même, la caille par le ensemble de dérives qui a passé là, et au final, n'a demandé est-ce que démocratie, c'est là qu'à États-Unis, le chita vraiment, parce que yo mette tête sur comme père de la démocratie et aux Amériques. Donc, n'a pas gardé réalité, n'a fait comparaison dans l'émission de demain pour nous, comment nous avancer, comment nous devons avancer, même là, nous pas arrêter catégoriquement, nous pas arrêter spécifiquement, attendre que c'est États-Unis qui l'ont gébé manou, attendre que c'est États-Unis qui prend sanction contre vagabond ça pour nous, mais qui ça nous a fait nous-mêmes en tant qu'haïtien. C'est un plaisir pour m'être avec une émission aujourd'hui, hein. Rendez-vous en les casser demain pour l'autre émission de formation pour nous continuer par les pays, pour nous continuer à analyser situation difficile que nous vivons dans le pays, hein. Pas changer channel, restez connecté. Rendez-vous en les casser avec Foucault 7 heures boule pour rester sa programmation. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, je dis tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, M. Chanel parle là pour qu'à bien informer avec